Heureux chat. Heureux. Et 37, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jessica, bonsoir. Adam sera peut-être perdu visuel là. Il y a plus de visuel. Oui. Oui, ça va? Allez-vous. Oh, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on fait pour les ballasts? Là, je sais pas si. Enfin, vu que le commandant et le commissaire ils sont pas là. Je sais pas si le commissaire est sur la lignée Alors, qu'on les appelle pour régler le truc ou pas. on va rien faire, on va laisser. Ils font juste, ils sont pas masqués, ils sont rien du tout derrière une voiture de police. Il y a un moment, faut arrêter de crier au loup à chaque fois. Okay. Non, mais Pour c'est par rapport l'instant, aux ils menaces qu'il y a sont. eu cet après-midi, surtout. Elles sont parties. J'ai compris, c'est. Enfin, c'est White Wyatt, hein. C'est. Je parle tout le temps, mais j'agis pas. Hein. On passe un crocodile dans le milieu. Mais honnêtement, pour l'instant, il n'y a aucun. Pour moi, ça fait rien, ça tourne loin. Il n'y a pas de. Pour moi, on a besoin de rien faire. Ok. Si ça remonte, d'un ton, on verra ce qu'on fait. Mais pour l'instant, ils sont calmes, ils restent dans leur coin. Hein. Ils J'avais suivent l'air nos masques. énervé, lieutenant. Ah bah, regarde, je pense que j'ai peut-être vu énerver 45 reprises de un plus. nombre de fois Ah oui, incalculable. non, mais vous, Jessica, vous êtes pardon, le énervé. 19, j'ai oublié de vous Ah prévenir. non. La STX-01, du coup, elle a été oubliée hier soir. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, on fait attention quand on prend sa main de service hors les véhicules et elle est à la fourrière. Si une unité peut aller la chercher, s'il vous plaît. Pierre. Non, c'est juste que j'arrive, j'ai Carter qui est en Prenez sueur un parce peu qu'il est suivi d'argent par et une après vous voiture à l'autre verrez bout du avec monde. les lieutenants pour faire rembourser s'il faut. Et tout va bien. Vous avez une idée de l'argent de combien, à peu près? On va Ok, pas plus bon, bah on 10 000. verra ce que ça donne ce Oh, soir. si. Ok, on m'a parlé d'un petit problème de avec un mano qui avait 48 de machin là, je sais plus Oui, quoi. oui, oui. Ça, c'est Vous de ma l'avez. faute. Vous avez fait quoi du coup sur lui? Il a pris une amende pour flagrant délit de réception ou livraison. Ok. Est-ce que vous vous rappelez son nom? C'était quoi? C'était qui? Attention. Wallace Bill peut-être? Il faut que je regarde. 26, qu'est-ce qu'on fait pour le message de la SAR? C'est quoi le message? Le M va voir. C'est pas Wallace? Oh, va YouTube vite fait, on va aller chercher. Attends, mais ils sont où là? Eux, c'est qui hein? C'est la SES? On s'en fout, cette association. Moi, je suis pas la Banque de France. Enfin, je suis pas la Banque Populaire. Hein. Enfin, ils payent, hein. Je connais pas les prix de ces choses-là, moi. C'est McCall Shaun. McCall Shaun? Ouais. Ok. Ok, bah, je vais regarder ça, ça marche. Yes, mais s'il y a un problème là-dessus, c'est ma faute, hein. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dans le coffre. Voilà. Ok, pas de soucis. Et à plus tard. À plus tard. Oui. M45, on se rapproche des échanges louches 8208. 10-4. Bon. Avec qui je pars moi? Un 45 pour faire un 19? Madame 45? Disquette? Pouvez faire un 19? Disquette. M17-19 avec la STX. $800, Luna. Coûtez $800. D'accord.
Je pars avec vous. Oui, y'a pas de soucis. Du coup, on allait partir sur les échanges louches. Et du coup, je vous rajoute. Et Adam 45 devient Tango 45 avec 30. Et pour info, mon lieutenant, quartier sentinelle, ils ont barricadé le QG. Donc quoi ? Barricadé le QG. Ok. Oui, bah de toute façon, c'était prévu que ça repète ce soir. Hein. Ah, on s'en doutait, mais on n'avait rien de sûr. Donc, en patrouillant tout à l'heure, on a essayé de regarder. On a vu que des véhicules bloquaient l'entrée du QG. Et oui, et bonsoir tout le monde. Bah, ça va. Nickel, qu'as-tu ? Mégonie ! Il était comment ton burger et tu cuis comment? Ça sent Michou encore qui a balance dans le général. Il était très bien mon burger. Et je suis vraiment la seule à passer le burger un peu au four pour que le fromage y fond ou c'est comment? Je me sens à part, je sais pas trop. Ouais totalement, ça m'étonne pas. Hein. Alors, rien ici. Pourquoi j'ai mon coca? Je viens d'ouvrir mon coca, il est en train de mousser. Je... Quoi au four? Ouais, ça y est, je suis la seule à faire ça, c'est ça? Ouais, tu peux le griller à la poêle, mais pour que ton fromage il prend un petit peu, passe au four. Ouais, ça me rassure, il y en a qui font pareil, tu dégoûtes. Super. Je vois personne. Super bonne ambiance. Oh, rien de suspect, non. Ah, rien de suspect, du moins. Mais non, mais après, 10 secondes au micro-ondes. Mais non! Et c'est encore pire! Comment vous faites pour faire fondre votre fromage, du coup? Vous faites pas fondre? T'as appelé des patrouilles. Mais non, pas le micro-ondes! Officier Zimov. Oui, bonjour. Bien, merci. Ah ouais, mettre le fromage oui, sur la viande fait, qui on a tue. Dû annuler. Ouais. Ouais. Maintenant? Non, le micro-ondes, c'est non. Attendez, bougez pas, je me renseigne. Bon, écoutez, chacun fait son burger non, comme non, il veut. J'ai fait ce qu'il propose de venir maintenant pour le convoi. Non. 10-26 des individus. Demain. C'est là, si ça pète au quartier sentinelle et qu'on est en plein convoi... Ça va être compliqué. Plus tard dans la soirée ou demain dans la dans l'après-midi. Oh demain, pas plus tard dans la soirée, demain. Demain. Monsieur Balbo, ce soir ça va être très très compliqué. Oui, plutôt demain. Oui, William. Eh, ceux qui mangent des pizzas ananas, là, on vous emmerde pas. Bah me faites pas chier avec mon burger. Ça va, hein, c'est bon. Très bien. Bonne soirée à vous, bon courage. On est d'accord, Mimo. C'est combien de temps à la friteuse? On a plus personne pour, Alors. J'allais dire, c'est plus la Val de Feili qui fait des grosses blagues sur la nourriture à la friteuse, mais je crois que je l'ai déjà fait sur l'internet aussi. Ça fait 5 minutes. Du coup, je vais rien dire. Plus, 6 minutes. On est d'accord, Poupito. Qui était le cas sur le steak qui était présent aujourd'hui. Non, parce que les blagues du type Val qui dit moi je fais mes moules au whisky. Qu'est-ce que je disais aussi hein? Steak à la friteuse aussi, je crois que j'ai dit. Hein. Enfin bref, c'est dinguerie quoi. Hein. Ouais, je vois rien de louche. Ouais, bon, on peut code 4. On peut 45, code 4 sur les échanges louches. Des burgers surgelés froids. Quel enfer. Des moules au whisky, ok. Je vous rassure, c'est juste Val qui dit ça. Hein. Je dédouane. Essaye ça. À la limite, tu mets le fromage dans la raclette. Quoi? J'ai un truc à vous envoyer par mail, mon lieutenant. Oui, c'est quoi? Alors, je sais pas parce que c'est un mot. Il y a marqué pour vous. Alors, j'ai pas le droit de vous dire qui c'est. Par contre, oui. Hein? Oui. J'ai rien compris.
Bah, attendez. On m'a dit, on m'a donné ça. Alors attendez, on est au feu là. Oui. Je retrouve le mot. Alors. Sinon, chat, alors je sais qu'avec le RP, on sait jamais à quelle heure on part. Mais genre à 22h30, 23h grand max, je me casse. Hein. Ce genre demain, je pensais que c'était à 8h30 que je partais de chez moi. Non. Hein ? Oui, oui, oui. Mais en fait, je dois être pour 8h30 là-bas. J'ai 1h30 de route. Oui, je pars à 7h. Elle a peut-être de reculer un petit peu, mais ils sont. Ou genre, faut que je me lève vers 6h quoi. Je me lève à 6h quand on a un rythme de sommeil. Si l'on se couche à 4h du mat, on se lève à 13h. Bon. C'est bon, j'ai retrouvé le mail. Ça va être compliqué. J'ai peur d'Oda. Ou alors faut pas dormir si tu conduis pas. Non mais si, je dors, t'es fou. Alors, ça vient pas de moi. Par contre, on m'a dit que je devais pas donner le nom. Mais on m'a pas dit que je pouvais pas donner le numéro. Ah bah oui, j'ai pas envie de me faire harceler, hein, mon lieutenant. Et à l'enterrement de Will demain soir. Oh putain, c'est vrai. Comment c'est déjà ça. Bah, demain après, il y aura pas de stream, hein. Voilà, bisous. Mais après, ça va être rompichard. On va voir ces véhicules de balance derrière. 4 personnes non masquées. Ils vont vraiment nous casser les couilles parce qu'ils ont fait un délit de fuite qu'ils vont pas assumer et. Bon, en fait, après, là, vu qu'ils ont airbag, vous les avez contrôlés et fouillés, c'est ça? Et vous avez vu qu'ils avaient de la marchandise sur eux? Mais en gros, on est parti en CPE avec le braquage de Super F, hein. Ouais, j'étais sur la CPE justement. Bah, quand vous les avez perdus sur le boulevard Del Perro. Ouais. Nous, on était en pied-à-terre sur Awick avec Clinton parce qu'on attendait les médecins pour le motard là. Oui. Et quand vous les avez perdus le visuel sur le boulevard Del Perro, on les a vus passer devant nous. Awick Avenue, c'est la même rue que le boulevard Del Perro. Ouais, bah oui. D'autre part, si jamais on est suivi par un véhicule jugular. Nouveau, et ça suit. C'est ça, c'est vrai. On est. 98. Il lui tourne autour, il nous suit 2 secondes, puis il repart et il fait que ça, laisse tomber. Il est masqué ? Moi du 5. Du coup, je les ai vus remonter sur mes terres, je vous ai fait le col. Regardez, ils ont fait demi-tour, ils descendent. Oui, bon, qui s'amusent. Et du coup, vous êtes allé voir, ils étaient là-bas, donc moi je suis allé voir Monsieur Wright, j'ai parlé avec lui, je lui ai demandé ce qu'il faisait avant son airbag. Moi, j'étais en train de me promener, puis après j'étais sur le boulevard Del Perro, je partais direction ouest, je me baladais, tout ça. On va aller faire le. Ah, bref. Du coup, j'ai dit, bah, monsieur Wright, levé de doute, on va vous fouiller, quoi. Ouais, puis ils avaient des chaussures, c'est ça. Bah, oui. En plus, enfin. Je leur ai dit, vous posez ce que vous avez délégué dans la voiture, je vous laisse repartir, et puis voilà. Ah non, ils ont voulu surenchérir, bah. Bah, en soi, c'est logique, quoi. Mais je sais pas, mais enfin. Au bout d'un moment, ils perdent le visuel sur le boulevard Del Perro. Ils passent devant nous sur Arvik. Vous venez de le perdre, le visuel. Mais oui. Oui, c'est ça. C'était pas. C'était vraiment, oui. C'est 10-15 secondes. Donc, oui, s'ils sont airbag et tout, le temps qu'ils s'airbag et tout. Ah ouais, non, mais. Oui, il y a des fortes chances, c'était eux quand même, quoi. Après, ça valait le. Mais le sur, coup en plus, enfin, je lui ai demandé ce qu'il faisait avant son airbag. Et il me parle qu'il était aussi sur le boulevard Del Perro, direction ouest. Bah, au bout d'un moment, je suis désolé, ouais, ouais. Mais. En plus, il dit les coïncidences, oui, ça va bien quand même. Ok, bah, du coup, il a insulté et puis menacé de mort, c'est ça. Oh putain. Voilà, bon, maintenant je vous l'ai envoyé. Comme si on peut pas me dire que j'ai pas fait passer le message. On vous a demandé de m'envoyer ça? Oui. Vous l'avez lu ou pas? Non, bah non, il était fini. Alors... Je sais pas ce qui est marqué dehors. Pendant la porte ouverte du commissariat flambant neuf, Trente s'est plainte. Les miroirs, disait-elle, lui donnaient une mine d'éléphante.
Mais laissez-moi vous dire, 30, que vous êtes belle à croquer comme un burger succulent impossible à ignorer. Non, mais ça, c'est. Non, mais j'étais en train de lire mon truc là. Demain, 10-24. 45, on est en 10-31 derrière une. Véhicule. Une jugular violette. Allez, te colle pas eux. D'avoir 10-24. Bonjour, merci de vous garer sur le côté. Ah bah non, non, non. Tout à l'heure, on nous a cassé les couilles parce qu'on roulait pas assez vite à côté du contrôle. Donc là, maintenant, on passe à 200, on s'en fout. Oui, non, mais non! Bah non, allez, vas-y, on se casse. Mais. Vector 10-4, on raccroche sur. Demande 10-24, 82. Attention, on te colle pas à eux. Je suis pas collé. On raccroche aussi. 82-43. 82-43 sur le pont à côté de Roger. Pétatard à mon main? Non, mais il va se barrer, c'est sûr. Tu fermes pas la voiture, tu restes au volant et pétatard à mon main, cadet. Vous pouvez descendre du véhicule, le conducteur, s'il vous plaît? Quoi? Vous pouvez descendre du véhicule, le conducteur, s'il vous plaît. Bon, sécurité sur le trottoir. Bonjour. Est-ce que le conducteur peut venir me voir, s'il vous plaît? Ça va. Ouais, toujours en colère, sur right. Venez voir. Pourquoi? Oui. Bah, ouais, parce que vous avez joué à la vitesse à laquelle vous nous avez déroulé par la droite. On vous saoule. C'est vous qui vous suivez, sur right. Non, 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 on ne suit pas. C'est pas parce qu'on se balade dans la ville qu'on vous suit. Tout à l'heure, on passe à côté d'une de vos. Approchez-vous, on ralentit pour éviter d'écraser. Approchez-vous, vous pouvez crier. Parlez moins fort, s'il vous plaît, Timov. Oui, il vient nous casser les couilles, donc il y a un moment, faut arrêter. Genre, on passe tranquillement pour pas éviter, pour éviter de les écraser, et il vient nous faire chier. Donc, à partir de maintenant, on passe à 200 à côté de vous et on s'en fout. Il va y avoir la troisième aussi. Ouais, non, mais il va y avoir l'écho dans 30 secondes. Ah, c'est pas comme si vous nous aviez menacé de mort tout à l'heure, monsieur Wright. Ouais, ouais. Je vous ai pas menacé de mort. Je vous ai dit que la prochaine fois, il y a des chances que ça tirerait, il y a des chances que vous mourrez. Parce que vous faites n'importe quoi. Votre phrase exacte, monsieur Wright, c'était je vais tous vous buter. Ouais, la prochaine fois que ça tirera, je. Mais on va pas se mettre à se tirer dessus pour une supérette, monsieur Wright. Mais en fait, on est accidenté au milieu de la route et qu'est-ce que vous faites? Vous venez nous faire chier, vraiment. Et je vous ai expliqué le pourquoi du comment, monsieur Wright. Non, non, arrêtez. N'ayez pas de mauvais soins. Arrêtez, la voiture de police, je l'ai perdue devant le Black Cat. Le mec, il a juste eu un coup de chat de dire qu'on est repassé pas là, c'est tout. Voilà, et moi, le goal que j'ai en radio, monsieur Wright, c'est on les a perdus sur le boulevard Del Perro. Oui, bah c'est pas possible parce que je l'ai perdu bien avant et il nous a pas vu. Ah, ça, vous pouvez pas savoir si vous avez vu ou pas. Il y a peut-être une unité derrière vous qui vous a vu. C'est pas par hasard qu'ils savent que vous étiez passé sur le boulevard Del Perro. Ouais, ouais. En plus, c'est dommage parce que je vous ai dit, vous mettez ce que vous avez d'illégal dans la voiture et vous repartez sans rien tous les deux. Non, mais je vois pas pourquoi, alors que je suis conducteur d'une voiture en plus même si ça avait été un délit de fuite sur une supérette, on se fait jamais fouiller. Je vois pas pourquoi je me ferais fouiller en fait. Bah, vous voulez que je vous donne la raison, monsieur Wright, de pourquoi on vous fouille? Oui, parce que vous fouillez tous et n'importe qui maintenant, parce que bah, vous non, avez c'est tous les pas droits, ça. Parce qu'avec la politique du gouvernement. Mais... Non, c'est juste qu'il y en a certains, pendant les courses-poursuites, ils s'échangent les choses qu'ils ont braquées. Alors, par exemple, vous allez faire un braquage de supérette, vous allez donner les sacs au conducteur. Parce que bah on le fouille jamais. Tout simplement, monsieur Wright. Hein. Ouais, mais on n'est pas des glands. Ah ouais, mais. On peut pas savoir c'est vrai ça, qu'on monsieur. Pas des coups de balle, hein. On peut pas savoir ça, monsieur Wright, si vous avez donné non, des choses ou bien, pas à votre collègue. Vous avez récupéré un pistolet lourd, vous êtes content. Hein, mais non, mais. Vous savez très bien quand vous nous arrêtez qu'il y a toujours, toujours le passager, il a des trucs sur lui. S'il y a une supérette, alors arrêtez. Et de URI. Ouais, est-ce si une vous... seule fois, est-ce qu'une seule fois sur un truc vous nous avez chopé sans rien? En général, monsieur Wright, quand vous avez une arme sur vous, on vous la compte même pas, on vous met juste le délit de fuite. Mais y a pas à fouiller un mec qui conduit. Bah, comme dit monsieur Wright, y en a certains qui s'échangent des trucs pendant qu'ils sont en train de s'en aller. Oui, bah ils sont très forts, c'est tout. Ah ouais, bah qu'est-ce que vous voulez? C'est bon, lieutenant. Allez, nickel. Mais faites attention à vous, bonne soirée. Bonne soirée, merci de votre coopération. Ouais, faites attention à vous aussi, hein. Faut dire que c'est pas des menaces. Ah, il a dit, ouais, faites attention à vous aussi, hein. Ça peut être considéré comme une menace. Non, 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 les échanges douches, terrible. Pas d'échanges douches en 82-13. Attends, le truc là. Ok. Ouais, KD, va falloir être plus énergique sur les demandes de 10-24, là, hein. D'accord. Ah là, votre call, il était 10 fois trop long, Vous dites. Madame 45, code 4. On se rend sur les derniers échanges douches. 4. De 30, ils sont butés sur leur truc donc débrouillant.
Madame. Oui. Bon, du coup, on en est au bon lieutenant. Oui, attendez, je disais. Je recommence. Alors, pendant la porte ouverte du commissariat flambant neuf, 30 s'est plainte. Oui. Les miroirs, disait-elle, lui donnaient une mine d'éléphante. Mais laissez-moi vous dire, 30, que vous êtes belle à croquer. C'est gênant. Comme un burger succulent, écrit, hein. Impossible à ignorer. Vos yeux brillent comme des pépites de cheddar fondant. Votre sourire, une douceur comparable à du pain croustillant. Alors ne laissez pas ces miroirs vous tromper, ils ne savent rien de votre véritable beauté. Car pour moi, vous êtes aussi charmante qu'un burger parfait, avec chaque défaut, chaque détail bien aimé. Ainsi, souriez, 30, ne laissez pas le découragement vous atteindre. Votre amour pour les burgers vous rend encore plus éclatante, c'est un plaisir de vous le dire sans feindre. PS, le Black Hat n'a pas voulu vous livrer les 10 Black Burgers qui vont avec le poème. Gna gna gna, la livraison exige un minimum de 125 burgers, ils m'ont dit. Et c'est qui? J'ai pas le numéro. Mais je voulais donner le numéro. Je l'ai pas. Vous avez un bel admirateur. Je connais pas, c'est qui? Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. L'ancien docteur Ivywood. Et qui ça? Ivywood. Celle qui est au Bénise maintenant. Vous avez qu'à l'appeler, ça lui fera plaisir, je suis sûr. Mais non, parce que du coup, elle va servir ta balance. Alors moi, je lui ai promis que je donnerais pas le nom. Hein. En soi, j'ai respecté ma promesse. Hein. Enfin, plus maintenant, je vous l'ai dit, mais... Hein. À quoi? Zone d'arrêt. Facteur, il n'y a aucune zone d'arrêt. Ouais, dis ça que j'en vois pas non plus. Seul avoir eu. Ah, 10-4, ça le fait de temps à autre. En soi, ça reste propre quand même. Mais sinon, elle y est pas. Oui, c'est très joliment écrit. C'est très bien trouvé. Du coup, le commissariat, il a ouvert à peu près il y a quoi, 3 semaines? Ça a dû prendre à peu près 3 semaines pour trouver ça, je pense. Attendez. Oui, oui. Je vois rien. Je vois 4, 5. Ouais, il y a un tas de personnes, mais je sais pas s'il y a eu un trafic. Non, ça a pas l'air. Il y a du monde aussi là qui... Ils repartent en voiture. Disquette. Et de B, je pars des alarmes qui se rapprochent tranquillement des docks. 27, tiens. Une disquette. Lequel des docks Popular Street. Les docks, quoi. Hugo 45, code 4 sur les échanges louches. Hector, on va se positionner au milieu de Murrieta. On va rattraper les docteurs là.
Mets-toi en code 2 quand tu roules vite. Hector, est-ce que vous pouvez retourner au niveau des échangeurs sur Populaire? Il y a un van qui s'est barré, tu peux le retrouver. Un van noir. J'essaie de te mettre un plan, mais tu l'as là le pont ou pas? Oui, ouais. On est derrière eux. C'est là, Populaire. Vers le van? Ah non, on est derrière vous. Ouais, il a été enlevé le pont. Okay. Je le remets. Non mais attends, il est plus bas. Bah après, ça dépend où ils sont là, mais là plus simple. Je l'allume. Il ouais, y a un mec qui avait plus de 25 pochons de. Il y a un mec qui avait plus de 25 pochons de cannabis sur lui, donc c'était un délit majeur et. C'était. Il a dit quoi? Hector, si j'ai pas l'unité qui est raccroché sur nous. Hector, on a le van. Peut-être sur plus 1, unité qui raccroche, s'il vous plaît. Et en fait, j'ai laissé Van Dunder faire le contrôle, j'ai pas regardé. En fait, Van Dunder il m'a demandé c'était quoi le motif du truc pour les dépôts de paquets. Il dit c'est flagrant délit de réception, livraison, machin. Et du coup, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans le coffre et du coup, bah j'ai pas capté qu'il y avait ça en plus. Il y a trop de blabla. Le van il est derrière nous. Derrière nous le van. Il arrive direction SSP. À droite, il part direction fouir. Le véhicule. Devant vous là. Le flaqué devant nous. Vous nous dites qu'il y a quelque chose de bizarre. Alors, c'est le contrôle, s'il vous plaît. Et le... Ah, le Tango, on est en contrôle en 92-40 sur Capital Boulevard. Merci au conducteur de descendre du véhicule, s'il vous plaît. Petit Marshall, on va chercher un petit Marshall, la tenue derrière vous. Bonjour. Hector, le véhicule. Mais vous mettez en sécurité, s'il vous plaît. Ouais, descendre, s'il vous plaît. Qu'on a en fait. J'ai du monde derrière le van ou pas? Monsieur derrière, vous pouvez descendre aussi s'il vous plaît? Le van est arrêté. L'hélico, vous allez sur les Palomino Island, substance Neroad là. Vous m'en retrouvez le Hélion brun. Et le 21 fin de 16. Mettez-vous sur le côté, monsieur. Messieurs. Non, sur le côté. Dans le bah, on peut pas faire plus sur le trottoir que sur le trottoir. Hein. Merci. Du coup. Qu'est-ce que vous faisiez pour le van, vous fouillez, s'il y a rien, on avise. Vous êtes sûr? Bah bien sûr. Ah oui. Donc on peut regarder dans le van? Bah ouais. Vous avez? Bah allez-y. Ouais, vous pouvez, mais vous avez un mandat. Bah, levé de doute, messieurs. Levé de doute. Oui, on vous avait échangé quelque chose avec des personnes. Ouais. Petit Marshall. Bah écoutez, regardez ce qu'on a échangé, allez-y, fouillez. Tourne tout de suite, Petro. Il nous a vu, il a dit. Y'a rien dans le van. Bah non, y'a rien. 22-13 devient Adam. Mais du coup, messieurs, bah on va vous laisser le moins lever. Il nous prend Thérèse dans le van. Les mains, un par un, qu'on puisse vous fouiller. Pour lever l'identité de toutes les personnes qui étaient présentes. Bah justement, pour lever le doute, messieurs. Vous voulez qu'on fouille les individus ou pas? Je sais pas. 10-4. Oui, mais. On se fait dur, ça? Bien sûr. On se fait contrôler 10 fois par jour. Téléphone à l'avocat. Monsieur, vous pouvez vous porter vers moi, s'il vous plaît. Simple. Je vais prendre notre pièce d'identité. Je vais prendre votre pièce d'identité aussi, s'il vous plaît. Donc, votre pièce d'identité. Depuis, on a changé de véhicule en voiture. Arrêtez pourquoi, en fait, déjà demain. C'est quoi le chef d'inculpation, je sais pas quoi. Bah, non, vous savez, je suis une zone de deal, a priori, donc c'est pour ça qu'on. Voilà, a priori, on a vu sur une zone de deal. Et on va juste prendre votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Marathon de Gini. Vous allez voir. Je vous laisse vous retourner, je vais procéder à une fouille, monsieur. Pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Merci, monsieur Diazandrou. Le Pougain, je prononce bien. C'est de bonnes questions. Pougain, pardon, excusez-moi. Mérata Oldfield. Pougain de Noven. Ok, bien, on fait quoi? Du coup, monsieur Diaz, les montagnes au-dessus de je vais vous demander s'il vous plaît de lever les mains, de vous retourner avec lui. Il y en a un qui peut me blesser sur vous? Je vais faire pareil, vous, monsieur Pougin, s'il vous plaît. Pourquoi? 10-4-1-0.
Hector, tu fais monsieur Poujin. Le pistolet lourd, il vient d'où? Baissez les mains. Vous savez, hein. Venez le poser dans la voiture, s'il vous plaît. Moi. Et vous avez rien d'autre? Le poser. Non. Médicament pour j'aimerais bien vos matricules à tous, là, s'il vous plaît, après. Monsieur, vous pouvez ranger votre téléphone, s'il vous plaît, vous êtes toujours en contrôle. Rangez votre téléphone, s'il vous plaît. Je suis en état d'arrestation ou pas? Ah, vous êtes en contrôle, monsieur, donc vous rangez votre téléphone. Merci. Wow. C'était le mien, celui-là, mon lieutenant. C'est quoi? C'est, bon, c'est monsieur Diaz. Oui, non, mais je sais que c'est le vote, ça n'empêche pas. Merci, monsieur Poujard. Donc on était arrêté pour une suspicion de deal, c'est ça? Ah, du coup, de 30, les notes, ils avaient. Il y a deux pistolets lourds et un pistolet, du coup, ils avaient sur eux. C'est qui les identités, vite fait? Divor Nathan pour le mien. Van là-bas, messieurs. On se promenait. Ouais, c'est ça qu'on fait. C'est un pays libre, les États-Unis. Madame 13, vous pouvez rappeler la figure de Lebron? Brun, sable. Marron, quoi. Marron beige. Mais qu'on les emmène au poste, faut vouloir poser des questions ou pas, B.E. 5. Non, 10-5, on a vu ce qu'on voulait voir. À 10-4. 21-37, promenade 37. Mais je ne sais pas, je connais pas son grade, hein, monsieur. C'est pas marqué sur son frais. Lieutenant 30, d'accord, c'est noté. Ouais, on les emmène pas ni rien, on les laisse partir. Non, non, laisse partir. J'ai vu ce que j'avais besoin de voir. En fait, ils font une décharge à la sauvette. On a fait les codes au niveau de la pompe. Ouais, au niveau de la pompe, ok. Ouais. Ok, ça marche. Et là, on cherche le Evron qui est parti directement hors piste. Hors fun, ouais. Ouais, donc on cherche. Et à plus tard. À tout à l'heure. Ok. On va pouvoir vous libérer normalement. Ouais, messieurs, vous allez pouvoir y aller. Comment ça, on va pouvoir y aller? Non, non, non. C'est bien, on a rien fait en fait. Non, non, on va pas y aller comme ça. Bah vous avez quand si, même vous des êtes armes libre. Illégations, ah ouais, par contre, ah ouais, donc en fait, c'est quelque c'est chose de vous arrêtez des, vous arrêtez des gens pour rien, vous leur saisissez des non, armes illégales et on a le droit de s'en aller comme ça, il y a pas de ligne dans on les casiers, il y a PL, pas d'amende, on donne vraiment les amendes pour les PL messieurs. Mais l'amende maximale pour un pistolet lourd c'est 50 000 hein, si jamais. Ouais, mais c'est quoi la suspicion de l'arrestation là? Et ben ce qu'on vous a dit tout à l'heure déjà. Ah ouais. C'est effectivement, on a cru voir quelque chose, bah malheureusement, heureusement c'était pas ça. Je suis désolé, on s'est trompé sur ce qu'on croyait voir, mais effectivement c'était pas ça. Du coup, bah pour être gentil avec vous, on va pas vous amender pour les pistolets que vous avez. Pour moi, c'est on va laisser repartir tranquillement. Ah bah c'est une dinguerie ça. Voilà. Et bah, vous pouvez y aller, messieurs. Comme Hector, ça, il y a deux noms. Ah oui, bah y a pas de souci, on va aller directement voir de qui le droit. Allez-y, y a pas de problème. Bonne journée, merci. Coopération, au plaisir. Plaisir, ouais, au plaisir, exactement. On se reverra. On doit le prendre comment? Comme une menace hein? Confirmé 93. Ouais, vas-y, attends. 93, 90, 91. J'ai rien compris à ce que t'as dit, KD, par contre. 93, 90. De quoi? J'ai rien compris à ce que tu leur as dit. Pourquoi tu leur dis qu'on était pas sûr d'un truc ou je sais pas quoi là? Non, c'est pas sûr du deal après, effectivement. Donc et du deal de quoi? Faut pas leur dire ça. Bah, ce qui a été dit, ce que vous avez dit. Exactement, j'ai repris ce que vous avez dit justement, 26. Non, moi j'ai dit. Attends, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je dis pas de conneries. Suspicion d'échange. Oui, j'échange, pas deal. Oui, bah, c'est pas... Ok. Ça a coupé les feux. C'est hein. Dire deal. J'ai pas le temps, il y avait pas de phare quand je l'ai vu. Et un rib. Je vais mettre les noms dans. Vous avez gardé les noms? Oui. Oui. Diaz Andrew pour ma part. Ouais, c'est. Est-ce que vous l'avez dit? Donovan. Fanfare. Comment? Caracara et Bouchard. Bouchard Donovan. Bouchard. Poujin, P-O-U-J-I-N. Ah non, 37, on reprend les échanges, louche. P-O-U-J-I-N. G. G-I-N. Oui. Poujin, du coup. Poujin. Oui, c'est ça. Poujin, comment, du coup? Donovan. BE code 4 sur les recherches, merci à vous.
Ce serait pas de soucis. Peut-être. Et bien, direction à la maison Bicard. 93-95, on est une caisse. 23-23. Madame, 1,5 km de longitude. En gros, 45, on se rapproche, on a 4 km. 14. Hector, on se rapproche aussi. Donc, vous nous suivez, vous? 14, de l'eau, on suit à Dame 45 annulée. C'est tout au bout d'un chemin un peu perdu. Tu peux me dire exactement où c'est? Ouais, c'est alors autoroute, on va sortir. J'allais dire arrête de me voyer, mais elle a pas dit. Après, on descend, il y a un bâtiment fédéral, je crois, et c'est en dessous. Ok, je vois où c'est. Il y a l'air d'avoir un petit chemin qui va au bout de la mer, quoi. Madame 13-10-23. 4 BE, c'est trep. Trouille 73-59. 10-4. Doucement. Oui, oui, là je ralentis, vous inquiétez pas. Ah, mais c'est juste qu'on est dans la zone, quoi, faut regarder. Congo 45 à Adam 13, Citrep. Outlaw, on a Androgur qui part en off-road, mais on l'a pas vu. Ah, ouais, mais il y a 3 unités, mais pourquoi on bouge, hein? Ah, mais je vois pas, je crois qu'il y avait que Outlaw. Ok. Allez, code 4, enfin, décroche pour nous, quoi. Oui, oui. Congo 45, on reprend une patrouille. C'est bon, il y a Hector de voiture, hein. On n'a pas besoin d'être là. Hein. Perte visuelle au niveau des montagnes 93-94. On l'a, il fait une sacrée descente. Hein. La 10-4 en bas. La 10-50 dans un arbre. 10-4 en bas. On a le point, s'il te plaît. Et... C'est fait. Faites gaffe à ce qu'ils soient pas 4. Pas mal, ils sont 4. Est-ce qu'il y a l'autre unité pour accrocher sur eux? On peut pas dans les montagnes. Ils sont un peu plus bas, vous pouvez vous mettre sur la route et y aller à pied, ils sont contre un arbre vraiment proche de la route. Ouais, 10-4. T'as masqué à bord? 37-4-4. C'est compliqué ce soir. Hein. Dire bonjour à la SHP. Ah ouais, deux dames, moi 22-30, je me casse. Hein. J'y crois moyen. Ouais, moi aussi. Il y avoir une dinguerie à 22h25. Vous voulez qu'on rejoigne la compagnie? Bien entendu, Wesel. 5, tout va bien. Ok. Si tu veux prendre en compte le dernier message. Et 10-4. Allez voir vers le quartier en face de la marina. De Hector, on raccroche sur les coups de feu. Si c'est confirmé, vous voyez que du CSP pour avoir une unité à deux unités pour la sécu. Allez, 10-4. Bien, parce que tout le monde voit les appels, mais personne ne les prend. 48, j'ai entendu poste, oui, c'est confirmé.
D'ailleurs, mon lieutenant, j'ai posé une petite question hier soir. Oui. À 48, j'ai un. Une attaque de quartier comme ça, c'est quoi? Attends. Ils envoient deux unités. Écoute la radio quand elle parle, oui, vas-y. C'est une attaque de quartier comme ça, c'est considéré comme une OP? Ouais. C'est pour une. C'est. La question. Enfin, c'est une question pour être sûr, quoi. 37, on est en 81-45, on voit des gens courir près du quartier. Hector 10-23, on est juste au-dessus. Hector, restez pas juste au-dessus du quartier. Hein. On est pas au-dessus, on est un petit peu décalé. Et du coup, on est d'accord, c'est une attaque de quartier? Ça a bien l'impression. Du coup, il faudrait qu'on ramène deux unités là-bas. On confirme, il y a même un camion qui a été amené pour qu'il puisse monter sur le toit. 10-4. 48, je demande où ça se peut mettre sur notre radio. Il y a 10-5 sur la commune. 10-4. Nous on rentre pour prendre 26, un... 26, vous gérez la sécurisation avec 30 comme marqué sur les pages. Ouais, 10-4. Nous on va se mettre... rapproche-toi du quartier, vas-y on code hein, s'il te plaît, on n'est pas... Eh les gars, faut vous réveiller au bout d'un moment. Voilà, il y a tout sûr, il y a des gens à gauche. Il y a deux attaquants sur le toit, ils sont seuls sur le toit. Et nous on va se mettre là. Ah. Est-ce que t'y a une unité qui se met en parallèle de 82-40 s'il vous plaît pour la circulation? Odlo, on va y aller. Est-ce que t'y en a une qui se met vers le chantier aussi en 80-45? Même ça doit prendre. Les 37, on y est en 80-45, on se met là. Vous bloquez la route, vous mettez des zones d'arrêt. Oh, ça tire là, juste là. Les 40, pour rappel, pour les agents, c'est gilet pare-balles sur place. Et 10-4. Et 48 pour 30, il y a des Adam SSV qui vont raccrocher. Et 10-4. Mettez une zone d'arrêt si vous pouvez. Restez à couvert, hein, mais. C'est quelle unité qui va se mettre en parallèle de 82-40? Adam 13, on va en y va. Décale un peu s'il te plaît, parce que j'ai entendu mes oreilles siffler là, je sais pas pourquoi, mais si. T'as pas tiré dans notre direction, on est d'accord? Non, c'est à côté. Prenez vos armes en main quand même. Ouais, je l'ai plus. Mais non, c'est là, il y avait deux mecs en blanc. Une équipe peut se mettre au sud de 82-40. Oh, ah oui, d'accord. Ah mais c'est l'autre côté de la rue là. Non mais vraiment. CSP bien pris. Il y aura une deuxième unité qui pourra se mettre à votre disposition. Je fais capote lui. 10-4. 2-3, vous ferez attention parce que les autres là ils sont un peu partout. Nous ils étaient sur le trottoir à côté de nous. Là. Ils étaient en face quoi. Vraiment quoi. Donc soyez vigilants autour de vous. Et 40 pour 30, ils sont où exactement? Je vous appelle. Ouais, tu vois Rockford Drive là où il y a la boutique de vêtements? À la boutique? Ouais, non, ouais. Bah le trottoir face, en face de la boutique de vêtements de l'autre côté de la route. Bah pas dans leur quartier quoi en gros. Mais la boutique de vêtements là? La boutique de vêtements, t'as la route, tu traverses la route et c'est le trottoir en face. Deux attaquants sur leur toit et rien de plus. Le mec il était là. D'accord. Oui, bah non. Hein. Bah ouais, non. Ok, et là, ils sont encore là? Non, il est parti vers son quartier. De Hector, on a des. Okay. Il y a des personnes sur le toit en 82-40. J'ai l'impression du quartier, mais si ça recommence au type de vêtements, c'est long. Bah hein. Ouais, mais on fait quoi du coup? On le neutralise? Au sud de 82-45, passé par Rogers. J'arrive. Ouais. D'Adam 37, on a un container gris qui vient de se garer dans le parking juste derrière en 85. Il fout quoi là le taxi? Mettez-vous en barrage côté sud s'il vous plaît. L'autre côté là? Ouais, côté sud. Ouais, pour aller vers la plage. Eux, non, pour aller vers la plage, côté sud. À droite. Ah, okay. À droite. De l'autre côté de la route. À droite de nous. Y'a là quelqu'un du Tango qui peut monter avec moi? Allez avec Cadet. Oui. Possible de faire un bandeau zone interdite? Bah c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure comme on parle radio mais... Ils étaient tout près hein, quand même.
30 pour 22, vous pouvez appeler Weasel pour vous dire que la zone est interdite d'accès là s'il vous plaît. De 40, vous m'interdisez, il n'y a aucun véhicule qui rentre dans le quartier. Pardon, oui, c'est... Putain, le cadre. Ah, si je peux appeler à la SES. Il va falloir qu'on parle du cadre, mon lieutenant. Quelqu'un les a prévenus, les médecins? Ouais, la demande de 10-24 tout à l'heure déjà. Est-ce que quelqu'un a prévenu les médecins? 23, je vais m'en occuper. 4, c'est en cours. Mais c'était... Et la demande de 10-24, c'était pas la première dans la soirée. Mais c'est pour ça, toi aussi t'aurais dû prendre la relève. Hein. Quand tu vois qu'il est trop long comme ça à faire ses calls et que c'est urgent, tu prends la relève, tu t'en fous. Hein. Bien pris. Quand c'est urgent, je dis bien, sinon dans ses calls normales, tu le laisses faire. Mais là, les demandes de 10-24. Véhicule qui arrive vers le nord. Chez nous, on reprend une patrouille. Mais 17, on part en patrouille. Violette, y'a pas assez. Ah, y'a pas encore eu le bandeau de Weasel pour interdire l'accès. Ils sont pas au courant, les gens. Ça arrive, le bandeau. Donc, il fait un Master 6, c'est bizarre. Retour, retour sur vous. Jérémy, merci beaucoup pour ton deuxième mois en Prime. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le Prime. Fait plaisir. Bah, le taxi, il a compris. Oui, bah, il est passé juste. Enfin, je sais pas si c'est lui, mais il y a un taxi qui est passé juste devant le quartier, qui s'arrêtait juste à l'angle à l'autre opposé et qui est reparti vite fait quand même. Parce que pour la suite, je vous envoie une unité proche de Little Seoul, du coup. Niscat, l'unité Little Seoul, vous pouvez vous mettre au croisement Weasel News, s'il vous plaît. Faites gaffe que ça a tiré sur votre gauche, là, il y avait. 2 mètres, je fais. Il faudrait qu'ils se mettent un peu plus haut. Franchement, c'est niveau de zone d'arrêt ou plus haut hein? Plus haut au niveau de Weasel News. Au croisement de l'INSEE Circus, s'il vous plaît. Je range mon arme 10 secondes pour manger. Ouais. Hector, vous voyez quelque chose encore à l'intérieur? Hector 10-4, toujours un attaquant sur le toit, il y en a un qui a été coussé et il y en a un deuxième encore à côté de leur parking. Vous en avez plus que deux sur place? En tout cas, je vois que deux assaillants sur place debout, oui. Et de la suite pour SSP, pour l'instant on voit que deux personnes à l'intérieur. Encore. SSP bien pris. Moi je dirais 10-5 hein, et c'est une attaque du quartier. 40, vous en pensez quoi? Moi je sais jamais, moi des fois oui. Alors, des deux fois, minutes, non. Je vais vous dire. À 10-4. Pour moi c'est une attaque du quartier. 40 pour 30, dernier 4. 10-4. Mais en fait ça dépend des situations. Après on peut partir en soi, on peut partir en CP parce qu'on sait pas les petites armes qu'ils ont. Hein. Au niveau de la boutique de vêtements. Et on est passé en David, on arrive. David Grand. Discrète. Service McDonald's. Dans le. Ah, ils sont à gauche, là. En face. Dans le Granger, il y a une M4. Et du coup, ils étaient où? En face, on est d'accord, là? Ah, tu... Bon, ils s'attiraient... hop là, attendez une seconde. S'attiraient à l'angle, là-bas, et il y en avait un qui était derrière le parking, ici, là.
Il est arrivé sur le trottoir là où il y a la dame en face de nous. D'accord. Ça court devant le quartier côté. Hena. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Du moment que ça ne range pas les armes dans les véhicules, on peut laisser partir, mais si on voit que ça commence à ranger dans les armes dans les véhicules, ça ne part pas. Je viens de voir des individus courir face à la marina. Et si, à mon avis, c'est des véhicules qui sont garés en face de nous à Saigon ? T'inquiète. Je sais pas. Il y a un mec dehors là. Je suis dit, essayez d'être vigilant, voir si il pose des armes dans les véhicules. Si c'est le cas, on poursuit. Ah, si. Les SP bien pris, j'ai aucun véhicule en visu, moi, de mon côté. 4. Ouais, les véhicules, ils sont là. Hein. Pour moi, c'est assaillant à gauche. Ouais, ça ressemble au véhicule qu'il y avait hier. Hector, un des... Vous avez mis les munitions dedans, Val, j'ai oublié de vous le donner. Ah ouais, nickel, merci. Feu. De Hector, on se saute les deux derniers qui sont en train de se tirer dessus. Est-ce qu'on se remettra pas en face, là? Non, là, pour l'instant, on va rester là. Il y a du monde un peu partout. J'ai pas fait gaffe à la flash whistle, c'est passé. Elle est passée, ouais. Oui, elle est passée. On vient de voir un véhicule orange aller en direction de la station essence 80-45. 80-45. 80-45. 82-54, pardon. C'est la station service. C'est celle qui est de l'autre côté, ça. Y'a une dame qui est dessus ou pas? On a du monde de l'autre côté? Allez, ils sont au niveau du chantier. Là, la station essence, c'est trop risqué de se mettre là-bas. Bah, elle est rentrée comment la voiture dans le truc? Bonne question. Tu continues à se fight sur le toit. Et l'assaillant a été touché. Quête. Est-ce que tu restes plus qu'une personne à l'intérieur du coup? On va faire un petit peu le tour, mais il reste un des défenseurs sur le toit. Ils sont trop proches du quartier. Il a l'air d'être le seul, on va faire le tour comme. Hector. Ah non, c'est bon. Non, c'est good. Hein. Je veux dire, ils ont l'habitude, ils n'ouvriront jamais le feu sur Hector. Attention, il y a un taxi sur zone. Taxi sur... Mais qu'est-ce qu'il fout sur... Le taxi va à la marina. 4. 22, redemandez à Weasel qu'il refasse un bandeau, s'il vous plaît. Ah mais bordel. J'ai envie d'envoyer un message au taxi, vous venez de rentrer sur une zone interdite. Le taxi s'est arrêté... sur le parking de la marina, Osef. Et les speed 10-4, on va le faire dégager. Montez dans la voiture, on va se faire le taxi. Yo, le taxi. Je m'occupe du taxi, je fais le tour. 10-4. Message envoyé. Petit chemin. Yeah. 10-4, merci, 22. Hector, pour le moment, code 7 blessé. 7 10-4. SPD pour SASP, il resterait qu'une personne à l'intérieur du quartier. Hector est en train de faire le tour, pour l'instant, il y aurait 7 blessés déclarés. SP bien pris. Je suis désolé, je prends le lead du truc, c'est... j'aimerais bien t'expliquer, mais je t'avoue que je suis fatigué, j'ai envie d'aller me coucher tôt, donc j'essaie de faire ça au plus vite. La personne qui était debout, elle se dirige vers la marina. Est-ce que t'as là toujours une arme en main? Ah, 15, on va vous dire. Je pense qu'elle ramène les corps. Ah, dame 17, vous pouvez aller chercher un briquet s'il vous plaît? La personne, le monsieur lève les mains devant leur entrée de quartier. 14, 30, je vais m'avancer pour aller discuter avec eux. La dame 17, vous prenez un briquet et vous prenez dame 4 aussi avec vous au cas où si jamais. SPD pour SASP, on va s'avancer au niveau du quartier pour aller prendre contact avec eux. Ouais, bien pris. Voilà. Il a l'air blessé. Entendez, monsieur? Ouais, je vous entends. Vous pouvez vous avancer vers moi, s'il vous plaît? Ah, excusez-moi, je... Ça va aller? Ouais, ça... Venez vers moi, si vous pouvez, tout doucement. Ou je viens vers vous, vous me dites.
Alors j'ai fait le tour, je crois que c'est fini. Ok. J'ai vu personne. Par contre, je suis un peu trop mal en point pour ramener tout le monde là. Ouais, bah vous êtes tout seul du coup ? Ah oui, je suis tout seul, ouais. Bah, asseyez-vous sur le trottoir. Il y en a 3-4 vers là-bas. Ok. Il y en a 2 sur le toit. Ouais. Il y en a 2 là du coup. Il y en a 2 là, ouais. Et après, je sais pas. Ok, bah asseyez-vous sur le trottoir, on arrive. On va mettre les briquets de comme hier en travers là, ok ? Parfait. Ok. En même temps qu'il y a des briquets. Ah, par contre, il est trop mal en point pour amener les corps, le monsieur là. Ouais, ok, ouais, on va aller chercher. 30, 26, apparemment, c'est terminé. Il y en a 2 sur le toit. Trop mal en point, on peut faire 2 là-bas et 3 ou 4 là-bas. Et appeler les médecins. Ok. 48, comme dites, pour les médecins. Allez, stand-by pour l'instant, attends les briquets. 10-4, il a l'arme mal en point, ils sont capables de ramener les blessés. Allez, 10-5, on va rentrer les chercher. Vous avez moyen d'aller en chercher un deuxième de briquet ou pas? On resserre le périmètre. En vrai, réfléchis. Et l'SPD sous commune, oui, s'il vous plaît. Il est où, 48 précisez lui où est-ce qu'il veut se mettre. Si vous pouvez vous mettre 48. À l'angle de la rue au niveau du magasin de vêtements. Écoute, vous êtes où? Il y a 10-4 et pour une patrouille. Vous pouvez aller chercher un briquet et venir sur place, s'il vous plaît. Pour l'unité qui est au sud pour l'instant, si elle peut rester en. Bref. On va remonter un peu plus vers la station essence. On va commencer avec le premier briquet d'aller récupérer tout le monde. Eh bien pris. Le directeur, pour information, il y a en tout cas 3 blessés entre 82-48 et 82-47. Ok, vous mettez devant le monsieur qui est à genoux là. Vous mettez sur un cheval entre le trottoir et la route. Il où le monsieur qui est à genoux? Devant le quartier. Ah ouais. Vas-y, okay, mettons en diagonale qu'est-ce qu'il fait, par rapport à l'angle du bâtiment. Là où c'est un grandeur SHP là, qui s'est mis devant le quartier. Zone demi-tour gratuitement. Mettez pas complètement dans le quartier, vous mettez plus sur la route que sur. Attends, je vais le placer, là. T'inquiète. Ok. Ok. Là vous êtes dans le quartier. Bah je suis le trottoir. Les hautes là vous faites un 10-10, vous prenez un vrai véhicule qui vous protège. C'est briquet 2 au départ. C'est briquet 2, vous couperez la circulation comme on l'avait fait un moment là. Et là, vous prenez un véhicule de patrouille et vous repartez en patrouille. Je suis encore plus en 4. Voilà. 4. Venez, monsieur, vous mettez en sécurité de l'autre côté du briquet, s'il vous plaît. On arrive sur zone. Ça va l'air ? Ah, j'ai pris cher. Du coup, pour vous tenir informé, vous êtes trop mal en point, on va y aller nous chercher les personnes au sol. Allez-y, asseyez-vous. Comme ça, vous êtes au courant. Il y a personne dedans, c'est deux personnes en haut, non, deux dans l'allée, et quatre. Bah, je vous dis où ils sont. Plus, pour mais il y a le carter. Bah, c'est ce qu'il m'a dit par cœur. Mais non. C'est ce qu'il m'a dit par cœur. Hein, je... Non, faut aller, ouais, se mettre en diagonale. Ouais. On peut mettre une zone d'arrêt. Merci. C'est fou la grosseur du camion, comment ça se déplace vite. Hein. Oui. Ah désolé monsieur, je vous ai coupé, mais oui, j'étais en train de placer. Mais oui, d'accord, il y en a deux dans la rue de là, du coup, Mehdi, deux sur le toit. Ouais, et quatre au bout là-bas, dans les ruelles. Entre les apparts et le magasin. Ouais. 40 pour les personnes côté. Vous soyez au courant, du coup, on va rentrer à l'intérieur, ça marche ? Pas de soucis. Allez. Non, KD, vous restez là avec Carter, on va y aller nous avec les maquettes. Pas tout seul, on est pas chez nous. Et moi j'allais chercher sur le toit avec Parker Jenkins. Sur le parking. Nous on va aller chercher les deux devant nous, après on ira dans la ruelle à gauche. De SCP pour SASP, on rentre dans le quartier pour aller chercher les corps. SP bien pris. Ouais, je vous laisse me couvrir la fleur, je vais prendre le monsieur. Ouais. Vas-y, Mof, je te laisse me couvrir aussi, je vais en prendre. Bah non, toi prends-le parce que t'as un pistolet oui, du coup. Ouais. Juste vas-y, vas-y. T'as vu, ça se manœuvre bien hein. Oui. Non. Deux. Bah les brickades. Ah oui. Hein? C'est sûr? Ça va être à vous de le prendre, je pense que j'arrive pas à prendre dessus. Ah. Ouais, ça va être long si tu le portes comme ça. Hein. Oh bah oui mais. Hector pour 40 RAS, y'a personne. Il est lourd. Ah ouais, tu vas avoir du mal là. Hein. Ça passe mieux là. Ah oui, ça passe. Attends que je le prenne par les pieds puis que je le pousse. Ah. Non oui, mais sécurisez-nous. Hein. Ça va aller messieurs, restez avec nous. Vous voulez que je le prenne ou... Mais, j'arrive pas à le prendre sur l'épaule moi. Bah non. On va y arriver, on est pas loin. Ah le monsieur peut-être un peu gros. Hein. Vous les séparez, hein, vous les mettez pas ensemble.
Parce que comme les laisser, il faut pas séparer les couleurs, faut pas mélanger les couleurs. Oui. Les blancs tout seuls et les bleus de l'autre côté. Ouais. Fatigue. Heureusement j'ai fait de la muscu, hein, bordel. Pour régler le lieutenant faute de muscu. Allez, ça va aller, monsieur. Je vous lâche tout doucement. Hop. Parce que c'est un demi, il est pas lourd celui-là. Ouais, mais quand même, c'est un corps. Pas des vêtements, ils sont à l'air. Inanimé en plus. Inanimé. Inconscient, en vrai, vous avez compris. Oui, oui. Oui, allez-y, ramenez-les au niveau des baquets. Il y avait trois corps. Attends, ça pourrait mieux de les mettre. Ouais. Hop, délicatement. Allez. Ils sont loin, les deux. Tout est ok sur le toit? Non, il est descendu. Ah, mais y en a un là-bas, on va aller chercher les autres corps qui sont dans les ruelles plus à vers le PDP. Là. Il y a la SSP là-bas. Je crois. Alors regardez, mais le SSP dit qu'ils ont ramené aussi. Hein. Ils en avaient là-bas. C'est 4. Il y a un corps devant nous là, non? Oui, oui, je crois. Ouais. Je le fais remettre. Hein. En cours. Non, il y a un monsieur à terre. Ouais, ouais, ouais. S4. Vous leur donnez la position côté des briquettes. Vous m'entendez? Porte-le sur l'épaule. Madame. Mais non, mais le frappe. Mais. Est-ce que vous le frappez? Mais non. Ça va aller, monsieur. Ouais, attends, je m'en occupe, je m'en occupe. J'y arrive pas, mais c'est quoi ce merdier? Ça va, monsieur? Okay. Ouais, non, c'est compliqué là. On va vous aider à vous relever. Moi, je peux pas. Hein. Non. Bah oui, oui. Je peux pas. Ah merde. Peut-être, ouais. Alors, sur votre droite, et en haut, derrière la poubelle. C'est bon? Ah, on va vous aider, monsieur, vous inquiétez pas. Je pousse. Attends, ah. Ah. Oui, non. Ah non, on va pas réussir à le porter là. Vous êtes un peu trop lourd, monsieur, je crois. Hein. 40 pour, ouais. Pour les personnes qui vont gérer, les blancs dans un briquet, les autres dans l'autre briquet. On les refait bien tous les poser avant. Ouais, je peux pas le prendre. Moi. Ouais, ouais, moi non plus. Ah. Et okay, c'est bon. Je le prends. Ok, bon. Nickel. Ah ouais. Bon. Allez, monsieur, on est des professionnels. Allez-y. Ça va aller. Vous pouvez? Non. Oui. Nickel. Oui, on va vous sauver, monsieur. Vous inquiétez pas. Vous êtes entre deux bonnes mains. Vous inquiétez pas. Vous envoyez d'autres ou pas? Bah là, allez faire la photo. On en a un couché à la note. Vertical. Attends, vas-y la fleur, va avec eux. Ouais, non, on va tous y aller après. Discate, restez au-dessus, on arrive. Ah oui. Vous voulez qu'on y aille à deux, mais non, en fait. Bah, c'est loin ça. Bah, c'est sous Hector. Bah oui, mais c'est au-dessus. Ouais, faut passer par au-dessus. Ouais, c'est au-dessus là. Ils sont sur le parking au-dessus. Ah, derrière. Là, on va passer. Là, vous faites le tour, vous passez derrière et il est là. Oui, vous inquiétez pas, le chemin de fer, les médecins vont arriver. La ruelle, là, on peut la prendre, là, qui monte là. Ouais, mais le ramener après ça à pied, ça va être le. Est-ce qu'il y a toujours des unités en 81-45? Elle est 4. Ah, sur quoi, le matin? Va falloir courir pour aller chercher par contre. 4, 2 on va passer par là-bas, je pense. Non, la petite ruelle dans la allez, on y va en courant, let's go. Faites attention au tour. On a resserré le dispo quasiment aux portes du quartier. Elle est 4. On va passer là. Putain. Non, faut faire le tour. Ouais, je pense. Ouais. On peut passer là. À gauche, ouais. Ouais, oh. Il est où le dernier? Il est là-bas. Faut que je vais mettre un peu plus. Ah, celui-là. Allez, bougez pas, monsieur. Ouais, il risque pas de bouger, je pense. Hein. Il n'y en a pas d'autre? Madame 13, retour de patrouille en Buffalo et 0. Ça va être long. Est-ce qu'à Tector, vous envoyez d'autres ou pas? Ça va être long. Bah, c'est là en bas, ils aiment. Non! Tector, on va faire encore un dernier tour de la zone. Confirmer qu'il n'y en a plus d'autres. Il est déjà mâché, on peut le balancer en bas. De la dame 37, est-ce qu'on se. Non, mais te fout une tatane toi hein. Notre excavation. On balance, il risque de se briser la nuit. 45, il y a un monsieur qui dit qu'il reste encore. Oh, mais vous déposez comme un sac de patates là. Ah, mais les patates elles ont peut-être mal quand elles tombent, elles crient peut-être hein. Je sais pas. Je la fais frire. La dernière échange de.
4, après c'est peut-être trop la nuit qu'on en retrouve avec Hector que Trent est en train de ramener. Faire quoi avec ça là? Regarde à qui il est. Tant Kerry qui est devant vous, c'est appartient aux affaires. 10-4. Bon, on va le ramener. Ah, faudra main, pas l'oublier du coup. Ouais, vas-y. On va essayer de le ramener devant le quartier. Y'a pas de pneus crevés? Non. C'est moi qui conduis, ok. Mais comment ça? Bah écoute, t'avais pas l'air d'avoir envie de conduire. De LSPD, celui qui arrive avec le contender gris, c'est nous, nous tirez pas dessus, hein. Ah, lui, il est stressé. Tu fais bien de me prévenir, ouais. Ouais, mais. Hector RS, je pense qu'on a tous les blessés. Hop, allez. L10-4. Ah oui! Je vais pas transmettre des personnes. Bah, là, j'ai envie de dire le score avec son appel. Hein. Bah. Ouais. Ils étaient 3 bleus. On fait laver quoi. Ah bah là. Ils sont combien? 4, 5, 6, 7? Ah oui, oui, ils étaient 3 côté sentinelle. Waouh! Bah. Ça va, Parker? Je reste frère. Ok. Ah oui, c'est ce qui est prévu, hein, normalement. À deux Hector, on avait le Weasel sur le magasin de vêtements au nord. Nickel, merci beaucoup. 4. Attaque de quartier, donc on va attendre un tout petit peu, quoi. Adam 13, flag en 73-26. Ah bah, on l'a encore un. Adam 13, 10-26 en 73-25. Ok. Yeah. Nickel, merci beaucoup. C'est qui? Nolz. Le proc. Alors là, on veut tous sur. Donc si vous pouvez, oui. Ça arrive. Nickel, merci. Tiens, pour rappeler, au pire, moi j'essaie de rentrer rapidement. Quoi. Non, c'est pas la Manu, je pense pas. A tout de suite. De Hector en retour de refuel. 4-4. Après 5, je marque. Ah, c'est voilà. Normal, faut pas le savoir, il y a que le projet qui a commencé là. La première fois c'était ban, la deuxième fois c'était le policier, et maintenant c'est vous. Et tout m'a tué. Il s'occupe des saisies à gauche. C'est par un policier, c'est par un médecin. C'est blanc, la couleur gris. Hein. Une radio pour être récupérée sur la cause. Ah, c'est du tout. J'ai. Non, tout. J'ai tout, du coup, tout côté. J'ai un peu de 4-3 quand même. Je crois, oui. Moi j'ai vu une action de mon côté. Je crois que c'est un plat avec plein de saveurs. Bah, comme le match aller, hein. Tout y fruity. Et puis après, ils sont morts, mais pas vraiment. Les sentinelles. Et la police, elle m'a frappé. Oh, bah, et vous, on m'avait tué. J'ai mal. J'ai mal. Montez devant. Montez devant. Non, mais ça, c'est pas le 10-4, c'est le Weasel. Et le SPD sur commune, les unités au nord de Little Seoul peuvent partir, merci pour votre aide. Le du magasin aussi, reste uniquement sur place, les unités qui sécurisent... Y'a plus qu'on sent, y'a rien qui vont, y'a rien qu'on sent.
Pour de la radio, à mon avis, c'était bien équipé du coup. S'il avait pris de la peine radio tout seul, j'aurais pas l'intérêt. Hein, ah bah, bien équipé, mais pas très organisé du coup. C'est la musique, c'est du. Par cœur ? C'est l'électro. Allez, soignez les autres, vite ! Oui. Non, mais beaucoup, pas un peu. Oui, mais c'est tout ! Mais c'est tout ! Ça fait mal, mais c'est tout ! Bah sinon, vous y allez, mais moi c'est ça fait mal. Je reste là avec le grandeur, et puis c'est bon. 37, vous êtes toujours en 81-45. Vous pouvez 4-4 reprendre la patrouille. Toto. 6-4, moi je vais 18. 6-4. Et ouais, les autres vite. C'est pourquoi on devait le voir lui déjà. Ouais, les copains. Le commande de la perquise. Ça, retirez votre zone aussi, s'il vous plaît. Comment il est au courant, etc, etc. Et comment il est au courant qu'il y a enquête interne aussi. Du coup c'est sans proc, hein. Y'a pas le proc G, y'a pas le proc G. Ouais, bah oui, je dirais au, à l'autre qu'il dégage quoi. Ah putain, attends. Qui beau. Tu peux être là au pire. Ouais, ou comment il fait. Ah non, c'est vrai qu'il non. Non, mais non, ouais, y a que ouais, c'est vrai. Oh, il va pas être là. Hein. Cadet. Non, il restait pas de véhicules des assaillants aussi sur. Mais ils sont là-bas. Hein. Ah, tout le monde va partir en foyer. Hein. Oui, on va tout en foyer. Oui, tout. On commencerait pas à faire un appel à Wilson Lewis Non, pas maintenant. On va attendre que les. Les médecins finissent. Et il arrête pas de mettre reste des pattes après. Reste flex. Bon, je retourne là-bas. Ok. Allez, viens là-dedans. J'ai mal au ventre. Vous avez mal au ventre. Oui. Arrêtez de frapper mon collègue, hein. Oui, purée, ça fait deux fois le pauvre aussi. Mais il est trop proche de moi. Voilà, j'aime pas être oppressé. D'accord. On va s'écarter de vous, hein. Non, c'est les brancards, ils font chier aujourd'hui. Ah, bon courage. Oui. Merci, Doc. De rien. On va commencer à ramener les véhicules ici, comme ça tout sera là. Il avait qui au téléphone, Carter, là? Parce que il est comme sur un quartier, là, qui mange son téléphone tout de suite avant que je m'énerve. Il est où? Ah, il est là-bas. T'avais qui au téléphone? Ok, pas de soucis. Alianova. C'est... Oui, c'est qui? C'est quoi? C'est pourquoi? Pour savoir s'il peut décrocher du truc. Ouais, parce que là, il était dans un quartier, fais gaffe, quoi. Oui. Du coup, j'ai demandé à SSP qui prend notre terrain le temps de. Ouais, Azimov, Lafleur, venez avec moi, on va aller chercher les véhicules qui sont là-bas. Oui. On va les ramener avec le contender, comme ça tout sera en paquet. En espérant qu'il soit ouvert. Victor, vous voyez d'autres véhicules sur zone ou pas? 10-5. J'ai au moins deux pneus crevés, compliqué pour avancer, mais j'avance. Ouais, bah au pire, laissez-le là et ils viendront sur le récupération. Et pas ça! Ouais, laissez-le là.
Enfin, de hectares pour 30, pour 1000 pounders qu'ils ont dû voler. 4 bah, c'est quoi un pounder? C'est le 44 tonnes, mon lieutenant. Pour 48, vous pouvez me voir avec les médecins qui comprennent bien dans le sens duquel ils arrivent là. Ouais, Scott, t'as déjà expliqué. Oui, parce que le type qui force face à un véhicule, je suis pas sûr qu'il ait bien compris. Hein. Ouais, je rappelle pas ces messages. Complètement con, hein. Bah, allez, Parker. Ouais, il s'en fout, j'ai parlé. Il y en a un qui met des gnaux et l'autre qui force un véhicule, il est complètement taille. Ouais, mais... La deuxième fois, je suis toujours là. Hein. Vous avez un véhicule, bonjour. Si vous avez besoin de passer, on est devant vous, vous demandez à reculer le véhicule, vous pouvez vous placer directement. Ok. Attends, c'est la Java. Bon, je vais retourner avec les autres parce que. Ah d'accord, ok, je sais pourquoi on doit le... Bah du coup, ouais, c'est pour ça. Et tiens, du coup, Val, j'ai parlé avec Winchester. Oui. Tu lui restes sa chance au final? Mais en fait, moi, quand je suis allé discuter avec, elle m'a dit qu'elle t'avait pas réitéré sa candidature. Parce que moi, elle m'a dit, au final, je préfère aller au SWAT. Mais il y a un jour ou deux, je crois. Oh, mais... Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, j'ai pas envie de me battre entre Mills et elle. Ah mais moi, j'ai dit, bah d'accord, au revoir, bonne journée. Quand on en avait discuté au pénitencier, tu m'as dit qu'elle t'avait réitéré sa candidature. Bah oui, parce que dans l'après-midi, elle avait tourné avec Jenkins et Parker et Bishop. Ah bah moi, elle m'a dit que c'était pareil, qu'elle t'avait pas dit ça. Jenkins, c'est parti les chercher par la main pour venir? Oh mais... Non, c'est Parker qui lui a demandé. Il a demandé par rapport à ce qu'elle voulait faire son initiation et voir pour plus. Oui, et alors moi, elle a dit, je cite la paperasse, c'est pas pour moi en fait. Alors que là, je n'en ai jamais vu avec nous, mais bon, c'est pas grave. Ouais, elle a vu un truc et encore, c'est de la merde quoi. C'est ça. Je... De toute façon, c'était pas prometteur de ce qu'on a fait avec elle. Si elle voulait vraiment rejoindre le BE, il aurait fallu de plus, beaucoup plus de patrouille. Quoi. Pour 19 et en cours de trait de trouver ou pas encore pour l'instant du que du PL, canon signé et une seule radio. Et 14. Oui Doda. Tira. De BCSO, tu as sous FTC pour formation. Et je suis bien pris. Après.
j'ai envoyé Parker regarder les fréquences radio sur leur radio à eux. Mmh, intéressant ça. À la prochaine fois, on peut écouter en direct, hein. Bah écoute. Ils arrivent à l'embarquer. Ah non, pas encore d'Oda. Il est pas ça. Tu es tout raide. Attends, je pense que si je fais ça. De toute façon, autant faire le piqué, autant faire quelque chose avant que j'oublie. Je suis en train de m'endormir. Hein. 22 pour 30, vous voulez un message pour. Comme quoi la zone est libre ou pas encore? Pas encore, on voit quand les médecins seront partis. Scott. Oui, Adam 13, Scott 4. Scott. Salut Kaby. Il est arrivé notre client ou pas, Jimmy? Je vais rappeler Gomez. Parce qu'en vrai, au pire, tu me déposes et moi je vais le faire. Hein. Oui, est-ce qu'il est arrivé au sud, le monsieur? Ok. Bah, nous, on écoutait, il reste quoi là? Je vais te déposer, on va gagner du temps, tu as commencé. Ouais, Fill time 4 à un agent là. Écoutez, on va me déposer, je vais m'en occuper. Après, vous allez les avoir. Il y a du SWAT sur place ou pas mal là, qu'à la padding 4 Asimov. Asimov, ouais. Donne Asimov. A tout de suite. Asimov, problème. Problème 4 de GQ. Pour le caler sur le trottoir, si vous pouvez. Tant que c'est pas nécessaire, vous mettez pas sur le trottoir, s'il vous plaît. Restez au niveau de la route. On peut pas le mettre en subgift T3. Tu viens avec lui après. J'ai pas en fait pour mettre le truc, t'as un menu déroulant qui dit si c'est par exemple un sub offert, si c'est un sub anonyme, si c'est tel truc, etc. Si c'est tel tir. Sortir de l'ambulance. Il n'y a pas si c'est un T3 offert par exemple. Ou alors je suis aveugle. Et bah Doudou Arzelan. Hein. J'ai déposé 23 et je retourne sur zone 4. Ça prendrait la catégorie subgift, s'il te plaît, on pense si c'était un T2 ou T3. Bah dans la catégorie subgift, du coup, il y a le truc de s'il y avait un sub offert, tu l'entends. Différencier T1 ou 2. Ouais. Bah tu peux, mais si c'est toi qui le modifie. C'est un sub pour toi, ça fonctionne pas si tu le donnes. Pas de ce que j'ai vu en tout cas.
J'ai envie de rompiche. Ah oui, un peu. Mais on va se coucher. Mon chien se fout sur la gueule, c'est con. Pourquoi? Après, on fait le piquer pendant 10 ans là. Ah, y'a ça. L'hélico, essayez de faire des tours et à minima de prendre de l'altitude, s'il vous plaît. Voilà, on s'entend plus porter. Je suis avoué par cœur. Il s'est pris deux patates par le doc. Ouais, c'est les deux patates du doc, t'as qu'il envoie des. Je pense que c'est un peu ça pour vous qu'il échappe un coin. Hector pour 19, c'est mieux. Ah, fantastique. Ouais, près de beaucoup plus haut. Merci à vous. Moi, je ferai des tournées un peu partout. Ouais, pareil. Pour 48, vous pouvez demander 3 plateaux, béni s'il vous plaît. 4. De 13, on prend la dernière vieille de tombée du ciel. Oh non! De l'SPD pour SASP possible, une unité pour. Moi j'ai le fin de service après. Ah ouais? Ouais. Faut se reposer. Oui. SPD, 2 secondes, regarde. Tu seras là demain à l'enterrement ou pas? C'est qu'un. Hein? 5 de l'SPD pour SASP. Demain à 20h. Non. SASP, on s'enseigne. Malheureusement, non. Adam 13, 10, 23. 10, 4. Et SSP, on vous envoie une unité. 4. Et si? Oui. Vraiment, non? T'es obligé d'entrer dans le quartier pour faire demi-tour? Voilà. Et Doc? Ok. Terre. Terre. Il y a pas envie de me parler de Doc. Mais faites attention parce que vous êtes rentré dans le quartier quand même. Enfin... Ok, d'accord. Oh, ok, non, il ouais, y a pas de soucis. Vous avez de la place pour faire le demi-tour, mais ouais, rentrez pas dedans quoi. Ok, non, non, ça marche. Elle est speedy et RAS sur place. Discasse. Bénice a pris votre appel ou pas? Est-ce que tu arrives hein? Hector, vous les suivrez s'il vous plaît? Adam 13, 10, 48, 72, 18. D'accord, la SSP sont plus sur place. Oui, ils sont plus sur place. Ouais, dites-moi. Est-ce qu'on rapproche le gros camion pour le Bénise? Vous les rapprochez d'où? Le rapprocher de la zone ici pour qu'ils puissent l'enlever. Ah, mais il y a encore les médecins et tout, laissez les comme ça. Ça va être galère pour tout. Attends, on va les ouvrir. Ils se mettent sur le trottoir du quartier. Il a demandé combien de plateaux? Au moins 8. J'ai dit 3, j'ai pas dit 4. Ça faut compter.
Disquette, t'as demandé combien de plateaux 48 Il y en a 4. Ah, j'ai dit 3, pas 4. C'est pas compté. Bah, 26 m'a dit un pound. Ah oui, d'accord. Facteur, une première départ. Rose qui tourne autour du quartier. Ah, mais ils peuvent pas partir tous en même temps, mais oh. Speed bien pris. Pardon, deux départs. Ouais, wow, l'organisation. Terrible. Ils sont peut-être pas plus que deux, je sais pas. Bah, si, ils sont quatre là, les dépanneurs, ils peuvent pas attendre pour tous partir en convoi. Non. Bonsoir, c'est pour chez nous ou c'est pour la fourrière? Fourrière s'il vous plaît. Ok, fourrière, fourrière. T'es ok pour les deux autres dépannages, Hector? Répétez. C'est ok pour les deux autres dépanneuses. 4. Les deux autres vont partir. 22, je prends le message de Ron. 4. T'entends mal à la radio? Non, non, je suis peut-être pas attentif. À chaque fois, on me demande de répéter. Hector, les 4 camions partent direction fourrière. Des fois, ton encore les plus beaux, mais. Moi, pour moi, tout est correct. Là. Moi, quand je deviens aigri, ça veut dire qu'il faut que j'aille me coucher. Ah bon? Ouais. T'es aigri? Ouais. Comment je... Quand on me fait répéter, je râle. Ah. Alors que je devrais pas. La vie est une... Viens, on va se mettre à coup. De Adam 13, 10-23 PDP en attente de Ron. Le monsieur, ils le ramasseront pas, il est à genoux depuis tout à l'heure avec probablement une balle derrière. Ah mais il est blessé, ils vont le prendre. Hein. Ah ouais, mais... Confirmé, il y a une dernière ambulance qui va venir récupérer le monsieur qui est à genoux, là. Ah, normalement, oui. On croise les doigts, hein. Ça vient de me le dire, oui. Oui, oui, il y a de la carrière. Monsieur, il est agenouillé là, c'est le seul survivant de tout. Depuis 45 minutes, il est là, puis il... Voilà. Ils ont pris une sacrée racle quand même, hein. Et les blancs, là. Ben, c'est comme Azimovie dit, il était 4. Ils étaient 8 au sol et 8 étaient 3 au sol. Ouais. 4 contre 8, puis ils réussissent quand même à perdre. En même temps, c'est leur quartier, ils connaissent, hein. Ouais, c'est ça. Lui qui était en haut, quand t'allais chercher, là, il a dû faire un massacre. Ouais. Non, on pire a dit. Quoique. T'emmerdes, hein, dedans. Et la dernière ambulance qui arrive sur place. Eh, hey, crois, yeah. Y a une unité à la SES ou pas du tout? Peut-être en envoyer une pour pas que ça parte en stack là-bas. Quand tu vas y aller. C'est vrai, ça va tenir. Hein? Il a l'air heureux comme tout. Après, mon lieutenant, on a au moins 5 minutes, hein, le temps qu'il soit soigné et tout. Ouais, mais bon, on sait jamais. Médecine télévisée, en 5 minutes, on est sauvé. Non, il. Les premiers depuis le temps qu'ils sont partis. Refuel, on est en contact avec mais ce sont juste 4 médecins, le temps qu'ils avaient dit de toutes les chercher, puis qu'ils redescendent tout ici, puis qu'ils reviennent, je sais pas. Ah, c'est 4. Peut-être, oui, ouais, moi, sans ça, il y a combien ils sont, je sais plus, bon. Que je vois, moi. Et les derniers médecins, on pourra tous
évacuer la zone. Ouais, doudou. Attendez, mon lieutenant, y'a pas encore eu de banque. Non, ta gueule, je me casse. Ouais, la banque elle arrive. Non, je me casse. La banque, démerdez-vous, non, démerdez-vous. Ça se prépare là. Non, je m'en fous. Eh, je vous jure, dans deux secondes, je vous jure, on a un appel braquage de banque où je vous fume. J'ai la M4, je vous fume. Ça fait mal les balles de 5,56, mon lieutenant. Bah, tu l'auras mérité. C'est faux, hein, je rigole. oui, on sait très bien. Peut-être pas. Nique sa mère. Je vous offrirai un burger pour me faire pardonner, mon lieutenant. Qui c'est qui m'appelle? Oui, je te rappelle. D'accord. Je te rappelle, d'accord. Je lui fais peur. Laisse-moi regarder les lives et pourtant j'ai jamais pensé à Flo, l'erreur est réparée. Merci Vivgriff. C'est honteux, je boude. Par contre là c'est bizarre, les balas ils pointent pas leur cul quand de suite d'un coup là. On les voit beaucoup moins. Je boude pas. Mes petits prénoms. D'accord. Je boude pas. Pour ça, tu comprends pas, Othélie ? Faut que non, si je te comprends, Douda, parce que moi non plus, je la comprends pas. Dans la vallée où. De dada. Dali dada. Victor, code 4 fourrières. C'est bon ? Allez, monsieur le médecin. Aide 40 dès que le médecin est monté et parti en côte 4 la zone. 4. Allez. On peut enlever la dernière zone d'arrêt. EP 10-19. Et de SPD sur commune, fin de, d'opération dans le quartier là. Voilà. Merci à vous. La galère du col. La SP bien pris, je vous en prie, pas de soucis, plaisir. Oh putain. Bon, je te laisserai faire le plein après. Ouais, y'a pas de soucis. La mélange. Oui. Putain. Et EP 10-23 PDP. Ah, c'est vrai, il y a les armes des autres là, mais oui. Cody Ortiz. Non, mais on s'en fout, les armes on les rend plus. Hein. Oui, oui, non, non, mais comme vous avez demandé le nom de tout à l'heure. Ouais, j'ai mis. Ah, bonjour. Ah, oui, putain. Je devais te rappeler, excuse-moi, ouais, vas-y. Oui, 6449, madame de Weasel, qui aimerait avoir des infos. Y'a pas quelqu'un de la com? Ah oh non, y'a personne de la com. Bah non, ils sont pas là jusqu'à lundi. Elle a essayé de les appeler. Demande à Mille, parce que moi je vais partir me coucher là. Je devais déjà partir à 22h30. Ah bah oui, bah pour dodo, lieutenant. Ouais, bah je vais déjà vider la voiture et puis demande à Mille. Il est où Mille? Bon, appelle-le, ce sera plus simple. Il est peut-être là-bas? Non, il est parti. Il était dans le. Bon, appelle-le. Oui. Cartu direction LSES. 4-4. C'est pour BE, les photos ont été prises pour l'intérieur du briquet. 10-5, vous les mettez dans discussion avec le la une légende. 48 pour Sentinelle, si je posais. Par terre.
Ça va? C'est les muscles ces temps-ci, ils ont des problèmes. Attendez. Qu'est-ce que vous foutez par terre? Enlevez-vous. Lutin. Oui. Donc le mec de Ron là, c'est l'autre con de Ben Soussan. Ouais. Quand je lui demande d'éviter de se foutre en plein milieu. Bah oui, mais j'ai pas le choix, je fais comment pour remplir après? Bon, je vais pas argumenter plus que ça parce que j'ai la flemme. Ils ont pas eu le message de pas venir après 21h. Apparemment. Il est pas au courant, il sait pas de quoi je parle. Ah bah si. Bah ouais, bah apparemment. Je pense que le commissaire il laisse des messages quand il laisse des messages. Hein. Ouais, bah écoutez, apparemment non. Donc. Eh oui. C'est qui le patron de Ron? Monsieur Tremblay. Tremblay hein. C'est son numéro ou pas? Je vais l'appeler. Oula, pas du tout. Hein. Quel enfant. J'ai pas ça. Aucune idée. Ça, je le réponds. Oui. Les cartes 10, 23 et les SES. 4. Et bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ah, très bien, vous? Ça va. Vous pouvez pas le mettre en long, le camion, pour... Alors, bah en long dans la pente, du coup, non, ça... J'aimerais vous... Enfin, on m'a déjà fait la remarque pour avancer déjà, parce que sinon, ça gêne, là, vos sorties. Non, mais attendez, je reviens vers vous. Oui, allô? Oui, bonjour. J'essaie de ramener dans le pétroleum. Oui, bonsoir. Alors, je sais pas si vous... Enfin, non, vous avez eu le commissaire pour les livraisons après 21h ou pas? Si, je ferai un journal des événements sur l'attaque quartier. Non. Non. Apparemment, les livraisons après 21h, on fait plus. On les réceptionne plus, quoi. Hector 19. Oh. N'est-il pas au courant? Non. D'accord. Non. Bah c'est, nous, c'est le commissaire qui nous a dit ça, les livraisons, le commissaire après 21h. Je crampe. Hein? Oui. ça a jamais posé problème avant, on arrivait, on se mettait en arrière, on remplissait. Ouais, partait. Mais ça date d'il y a quelques jours qu'on faisait plus comme ça. Je vais vous faire passer le message à vos employeurs. 4h30. Bah là, j'ai un employé. Ah, écoute! Oui, je sais, je suis au téléphone, j'arrive. Oui, mais c'est pour ça que je vous appelle. De l'excuser pour tous, heureusement d'Hector. Là, c'est good, il finit la livraison et puis. Voilà, comme ça, vous le savez pour les prochains jours. Ok, fait qu'à partir de 21h, on livre plus jusqu'à quelle heure? Matin, je pense. Je vous avoue, j'en ai pas parlé avec le commissaire. Et... 45, 18, vous savez quoi, le plus simple, ce qu'on fait, c'est que j'en parle avec lui quand il revient et je vous tiens informé. Oui, ça serait apprécié. Ça marche. Allez, nickel. Oui. Eh ben, allez, merci à plus tard, bonne soirée. Bonne soirée. Oui, du coup, je disais, pas vous mettre dans la pente, mais Ah ouais, mais putain, c'est vrai. Bah, justement, enfin, je veux dire, du coup, là, je laisse de la place ici, vous avez la place pour les voitures ici, vous pouvez atteindre la pompe de là, genre. Et si vous mettez le nez vers là-bas, mais que vous montez un peu sur le trottoir ici à gauche, ça va pas? Si je mets le... Ouais, je pourrais faire ça. C'est plus simple, comme ça, il y aura un peu plus de place. Peut-être, bah, je verrai la prochaine fois. Là, de toute façon, j'en ai pour encore 30 secondes et après j'y vais. Donc. Ouais, ça marche, pas de soucis. Merci à vous. Hein. Bah, merci à vous. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. Plus l'exécution du truc, les résultats, voilà. C'est bon, j'ai récupéré mon œuf. Ah, t'as oublié ton œuf? Non, je l'ai pas oublié, c'est juste que je dois gérer plein de trucs là. Non. Ah, non. Le 8. C'est qui vient de nous faire le 98 c'est vraiment un chiffre incroyable. 98, 78, magnifique. Oui, 78, tout ça. C'est mieux que 70, 98. Moi, je suis d'accord. Non, 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 moi, je fais un effort. Franchement, je fais un effort parce que franchement, je dirais 98 fois. Des fois, quand on entend 70,
Ah, ça passe le rayon. Et qu'après ça coupe, bah, je vous avoue que des fois, hein. Alors quand vous entendrez 72, que vous savez qu'il y a un truc derrière. Le shérif qui sort de. Non, pour qui sont les shérifs. Bah, je sais pas, ils sont là depuis. ouais, depuis un quart d'heure. Ça va, genre notre commissariat, c'est devenu ok. C'est devenu open bar. Open bar. Hein. Ah. Qui joint, je me demande pourquoi il y avait les shérifs au commissariat. C'est de l'harcèlement là. Et je vais ramener quelqu'un de, du nord. Ah, d'accord. Bon, moi, messieurs, dames, je vous laisse. Bonne. Moi aussi, je me casse. Hein. Bon, aussi, je fais la même. Ah, il y a pas de débrief, Farid. Comment ça bonne soirée à tous. Comment ça, vous attirez? Bonne soirée. Et j'attire les trous de balles, oui. Allez, bah là, c'est des trous de balles. Bon, ils cassent les coups pour rien. Ils sont débiles. On fait notre travail, du coup, ça va pas. Bah, tu connais la routine. Hein. Ils sont pas contents? Non. Du coup, ils ont. Enfin, Wright, il a menacé de mort. Puis après, ils ont tourné autour des unités, ils les ont suivis. Enfin, bref, ils ont fait les gamins, quoi. Y a plus. Pour l'instant, non. Bonne soirée. Enfin, j'espère pas, non. J'en ai marre des choses à raconter au commissaire encore. Il est content. D'ailleurs, le commissaire, hein. Je serai pas là du week-end, je veux me reposer. Il est à sa piscine en train de faire des appels. Là. Il est quoi? Il est à côté de sa piscine en train de passer des appels. C'est une blague? Ah, c'est Lila qui vient de me dire ça. Hein. Enfin, qui m'a dit ça il y a 20 minutes, mais... Super. On pose pas du tout. On pose pas, on l'engueulera. Hein. Non, on l'engueulera pas. Non. J'ai envie de me faire virer. Hein. Non, mais ce qu'on fera, on partira en patrouille avec lui en tant que goût. On radera fou et puis voilà, ce sera la vengeance. Ça. La punition comme ça là. J'suis en train de tu vois les trucs en béton là sur les places de parking? Oui. Je suis en train de faire le tour de ça là pendant que je te parle. T'as toujours été chelou peut-être. Je t'emmerde. Quoi? Ouais. Bon allez, moi je vais me coucher là, je vais partir depuis longtemps déjà. Quoi déjà? Bah oui. Mais... Bah c'est le week-end hein. Bon allez, amuse-toi bien, fais gaffe à toi. Ouais c'est fini là, et puis, faut dormir. Ah, t'es là demain? Je devrais être là, ouais, normalement. Eh bah nickel. Eh bah demain, du coup. T'es là demain? Oui. T'aurais ce mensonge? Bah oui, en plus, il y a un enterrement de huile demain, donc... Ah oui, putain, c'est vrai. Ouais. C'est public ou pas, ça? Oh! J'en ai aucune idée, je... Le commissaire, il m'en a pas parlé du tout. Ok. Ok. Bon, allez, je vais rompir Cham. Ça marche. Allez, Zobie. Eh, bisous à toi. Ouais, demain. Oui, oui, non, il n'y a pas de débrief. Pourquoi vous voulez un débrief? Non, c'est comme ça. Non. Bon. Faites gaffe à vous. Oui. Bonne patrouille. Oui. Et puis à demain. À demain. À demain. Noubi. Bah oui, mais non, mais c'est pas ça, c'est pas ce que je veux. T'as dit faire, quoi, la fait. Fleur? Viens ici. Oh putain. Ouais, vas-y, ouais. T'as dit quoi? Il y a un parapluie, mal en fait, on va s'en servir. Ouais, non, ça pique les parapluies, je peux pas me casser. Allez, salut. Wow. Arrête. Oh, l'attaque de l'épouvantail. Non, de l'éventail. Allez, salut. Ouais, bonne soirée. Lieutenant. Ouais. Vous savez pourquoi le commissaire, il a interdit les livraisons après 21h ou pas? Ouais. Quoi? Bah, pour éviter ce genre de situation. Ok. Pour éviter qu'on soit bloqué. Bonne soirée. Bonne soirée. Mais c'est jusqu'à quelle heure, à peu près genre minuit, c'est bon? Bloqué. Ah, débloqué. Je pense qu'à minuit, et puis il y a plus grand monde chez nous en général, donc ils peuvent venir à partir de minuit, je pense. Oui. Oui, non, mais surtout qu'on a 95 millis. Mais oui, voilà. Si c'est demain, c'est pas grave, quoi. Enfin, je. Yes. Et tu as dit de se garer avec le camion le nez face à la grille et de se mettre un peu sur le trottoir, sur le côté de la pompe, pour la place. Oui, c'est sur les places de parking en face, et puis il marche 5 mètres, il utilise ses petites jambes, là, et puis voilà. Quoi, bah, je sais pas à quelle longueur ils ont leurs tuyaux, là. Bah, autant que pour aller sur l'hélico, hein. Ouais, c'est pas bah, c'est-à-dire que les l'hélipad, ouais. Ils emmènent pas le camion sur le toit, quoi. Enfin, Après, c'est peut-être moi qui l'ai jamais vu et je suis complètement Je sais pas, ils ont peut-être avec des jerrycans, non, je sais pas. Mais ça m'étonnerait, hein. Je pense qu'ils ont les moyens de transporter un petit baril sur eux, tu vois, ils le roulent sur leur escalier, et puis voilà, quoi. Bon allez, moi je vais aller me coucher, faites gaffe à allez, vous. Bonne soirée. Et bonne nuit. Oui. J, c'est Tremblay 24, bonjour. Oui, c'est lieutenant Val, du coup j'ai la réponse à la question.
Du coup, entre 21h et minuit, on les prend plus les livraisons parce que sinon ça fout trop le bordel sur le parking avec toutes les unités qu'il y a, ceux qui veulent faire le plein, etc. Après minuit, vous pouvez repasser si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais Oui, mais Soma dit que après, si c'est le lendemain en après-midi, c'est pas grave. Ah ouais, 21h et minuit, d'accord. Voilà. On va prendre note. Mais merci à vous. C'est juste l'information aurait été plus plaisante d'être reçue avant que j'envoie une maison. Ouais, mais pas de soucis, bah comme ça vous êtes au courant. Ok. Ça marche. Allez, bon courage à vous. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Et de 38, bonne soirée, pourquoi faites attention à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, bon courage. Vous prévoyez quelqu'un un raid de chat? Pas toujours un Doda. Hop, pardon. Frère. Par. Le 13, 10 rapide. Ah oui, Doda. Hein. Faut prévoir. Hein. Là, c'est mute encore. Ah, bim, le panneau. Merci, Matrona. Bah voilà, 22h58, j'ai dit 23h grand max. T'as vu Goni, j'ai respecté hein. J'ai déjà fait cet après-midi Furas. Enfin, je crois que c'était lui. J'avais fait cet après-midi. C'est très rare, Guerre Mirage. C'est très rare. Quasi à 100% de temps de service. Hein. Et vous savez quoi, pour une fois, je vais choisir le raid. Je le fais jamais. En plus, j'ai mis des points de chaîne pour choisir les raids et on les utilise pas. Ça t'énerve pas trop à la fin? Bah non. Attendez, je vais regarder qui y a. C'est vrai que je l'avais déjà raid une fois aussi. J'aimerais bien raid quelqu'un qu'on a jamais raid. Tac. Alors, avec plaisir. Oh, y a un peu plus de monde cet après-midi. Qu'est-ce qu'on a jamais raid? On va raid les Judgment Day, je crois, on l'a jamais fait. Hop! Moi, je suis Jacob.
numéro 1 des Judgment Day. Je vous souhaite une bonne soirée, chat. Prenez soin de vous. Bonne soirée à vous. Il n'y aura peut-être pas de stream demain après, mais il y en aura un demain soir pour l'enterrement de Hill. Prenez soin de vous. Des bisous. À demain.